Mesdames et messieurs, c'est un conseil municipal du 1er avril 2022 sur lequel nous allons être amenés à pédaler. Donc j'espère qu'on pédalera en groupe pour arriver à bon terme dans un temps satisfaisant. Tout d'abord, sont excusés et ont donné pouvoir Madame Annie Fragola, donc à Madame Aditani, Madame Françoise Lannoy qui a donné pouvoir à Monsieur Gilbert Croze, Madame Magali Cambi pouvoir à Marc Lizère, Monsieur Pierre-Jean Crespo pouvoir à Monsieur Adelin Javet, Madame Anouk Girard pouvoir à Madame Jamila Nadjidjé et Monsieur Giré pouvoir à Monsieur Rêve. Donc avant de commencer la séance, je vais désigner un secrétaire de séance. Donc est-ce que Monsieur Bonazzi est prêt? Très bien. Oui. Ah, pardon, je vais le noter. Claire Clinette à Madame Lejeune. Très bien, parfait. Très bien, avant de passer à l'ordre du jour, je vous propose qu'on passe d'abord à l'adoption du PV du 1er mars 2022 et ensuite nous installerons bien évidemment dans le cadre de ce conseil municipal Madame Lejeune. Bienvenue Madame Lejeune, en tout cas dans cette instance. Et donc ce sera, je vous propose de modifier l'ordre du jour pour que bien évidemment nous installions d'abord cette nouvelle conseillère municipale avant d'entamer l'ordre du jour. Donc, et je pense que vous abstiendrez effectivement sur le marque du PV. Alors, donc, est-ce qu'il y a des remarques ou commentaires sur le PV du 1er mars 2022 ? Oui, il y a une remarque. Oui. Alors, par contre, je crois que c'est vers la fin, je ne me souviens plus, c'est sur le... C'est à la fin du PV, je crois. On a relevé une phrase qui ne reflète pas les propos tenus par Madame Clinette Moura. Donc, on aimerait bien la modifier. Alors cette phrase, est-ce que tu l'as devant toi, la phrase ? Parce que moi, j'ai noté que la phrase rectificative. Attends, je vais le... Évidemment, je suis partie au mauvais endroit. Alors, c'est... Alors, c'est écrit, donc vraiment, le dernier paragraphe. Madame Clinette Moura souhaite ajouter qu'il manque des lignes sur la participation des projets. Et en fait, les propos de Madame Clinette Moura, c'était « Il manque une ligne budgétaire allouée à la participation ». Très bien, merci. Ça sera retranscrit. Merci. C'est noté côté service. Merci à vous. Très bien, je vous propose donc de passer à l'approbation du PV avec cette modification. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Première délibération, donc installation d'un nouveau conseiller. Ah, non, c'est fait, le secrétaire. Monsieur Bonazzi. Je sais qu'il neige, mais enfin, tout de même. Donc, monsieur le maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 31 janvier 2022, reçue en mairie le 3 février 2022, Madame Delphine Samin a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale, donc au titre de la liste Crawl 2020. Donc, conformément, bien évidemment, à l'article 270 du Code électoral, nous avons adressé un courrier à Monsieur Damien Roman, 18e de liste Crawl 2020, en sa qualité de suivant, qui a décliné cette proposition, et donc il a indiqué qu'il ne souhaitait pas siéger au sein du conseil municipal. Donc nous avons continué bien évidemment dans l'ordre de la liste. Donc Madame Laetitia Brunet-Manca, 19e de liste, Crawl 2020, a été sollicitée. Elle également a indiqué ne pas souhaiter exercer ses fonctions. Nous avons ensuite sollicité Monsieur Mathieu Quinette, 20e de liste, Crawl 2020, donc qui a été sollicité et qui a dit qu'il renonçait à exercer ce mandat. Nous avons également sollicité la suivante de liste,
Madame Valérie Delbourbe, donc 21e de liste pour le 2020, donc, qui a également fait part de son refus à siéger. Le 1er mars, nous avons contacté M. Jean-Philippe Pagès, 22e de liste pour le 2020, qui a aussi refusé d'exercer les fonctions. Et enfin, Madame Françoise Lejeune, 23e de liste, a répondu positivement. Et je suis très heureux, effectivement, de l'accueillir dans cette assemblée. Je pense que nous aurons l'occasion de nous croiser dans un second temps. On prendra un petit temps d'échange, hein, bien évidemment. Mais je souhaitais que vous soyez d'abord installés avant de vous rencontrer. Donc, il convient donc de procéder à l'installation de Madame Nicole Lejeune, donc après 5 renoncements de la liste Crawl. Françoise, pardon. Excusez-moi, parce que je connais. Oui, Nicole Lejeune, c'est une personne qui habite Crawl et avec laquelle j'ai travaillé. Donc, vous m'excuserez de temps en temps si je me trompe dans votre prénom. Donc, Madame Françoise Lejeune, après 5 renoncements de la liste Crawl 2020, a accepté effectivement donc, d'être conseillère municipale. Et donc, proposer au conseil municipal. Donc de prendre acte de l'installation de Madame Françoise Lejeune en qualité de conseillère municipale. Voilà. Donc vous verrez, Madame Samin était au titre de la liste Crawl 2020 siégée dans la commission municipale commission sport. Donc si vous le souhaitez, je prendrai un arrêté. Enfin, c'est à vous de discuter entre vous. Hein. Si vous souhaitez remodeler ou réviser vos présences et vos participations, mais si vous ne souhaitez pas modifier, en tout cas vous pourrez être installé donc, dans la commission sport et puis également être partie prenante de la paritaire avec la MJC. Et bien entendu, n'hésitez pas, faites-nous part, vous regarderez, il y a un certain nombre de commissions intercommunales sur lesquelles l'ensemble des conseillers municipaux peuvent participer. Donc n'hésitez pas, regardez effectivement sur le site du Grésivaudan la liste des commissions municipales et à ce moment-là, vous me ferez part. On calera, je demande au service de me caler un rendez-vous avec vous, puis vous me ferez part à ce moment-là de l'intérêt de telle ou telle commission. Donc ça me permettra d'envoyer un courrier au président Ribel pour vous installer dans ces commissions qui présentent un intérêt pour vous. Bien, nous allons maintenant entamer un ordre plus. Oui, bien sûr, excusez-moi, j'avais oublié. Je vais trop vite. Non, je souhaitais quand même que vous puissiez vous présenter. Oui. Hein, voilà, qu'on sache d'où vous venez, où vous habitez sur Crawl, depuis combien de temps vous êtes sur la ville, est-ce que vous avez des enfants, pas des enfants, votre statut professionnel, etc. Donc, et si vous participez au monde associatif, bien entendu. La parole est à vous. Voilà, bon. Je voulais dire bonsoir à tout le monde déjà. Je suis ravie d'être parmi vous. Et parmi les gens de cette équipe-là, qui est minoritaire, je sais, ce n'est pas forcément une chose simple tous les jours de pouvoir participer, je pense, dans cette position-là, mais c'est le jeu. Donc, j'ai rejoint cette équipe-là sur les trois valeurs qui les caractérisent, qui est solidarité, écologie et participation. Donc, ça, c'est vraiment les valeurs aussi que j'ai. Donc, en ce qui me concerne, j'habite à Montfort. Je suis très concernée par le fait que Montfort puisse être vraiment une partie de Crawl. C'est-à-dire que les habitants de Montfort se sentent aussi pris en... Il y a des choses qui se passent. J'ai déjà entendu des réponses, par exemple, sur mes questions, comme ça, à l'envolée. Concernant le fait qu'on a un beau rond-point, mais le beau rond-point, c'est l'entrée de Crawl. À Montfort, on souhaite un petit peu aussi qu'il y ait peut-être... Il y a des petites idées, en fait, que j'aimerais bien un petit peu envisager de travailler avec le groupe ici. Mais bon, ça, c'est des idées un petit peu liées aussi à l'écologie, mais je ne vais pas développer tout ça. Bon, bref, je continue. J'ai deux enfants, deux filles qui sont maintenant très grandes, dont une habite à Paris et l'autre à Grenoble. J'ai un petit-fils de ma fille de Grenoble qui me permet de voir les difficultés par rapport à la piste cyclable Montfort-Crawl. Et moi-même, je fais pas mal de vélo électrique, donc ça, c'est un truc, je sais que ça revient comme un leitmotiv, mais c'est une chose importante, je pense, à discuter. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, c'est peut-être le moment, j'en sais rien, vous me direz.
ce sera peut-être au moment où on va parler des vélos. Voilà. Et sinon, je pense que je suis ravie d'être ici. Très bien. Écoutez, merci. Je pense qu'on est en phase sur la solidarité. Et vous verrez que tout à l'heure, Marc Lizère donnera quelques éléments sur l'accueil des familles ukrainiennes. Donc la solidarité fait aussi partie de nos valeurs. Donc, vous n'êtes pas loin de nos valeurs. La participation, vous verrez que, je dirais tout à l'heure que dans le cadre du PLU, on a développé une table virtuelle pour que les gens qui ne pourront pas participer aux ateliers en présentiel puissent le faire en distanciel. Donc la participation nous tient à cœur et Eric Roots porte haut ses couleurs et l'écologie, vous verrez que nous ne sommes pas en reste sur le sujet. Vous évoquez le vélo, vous verrez que nous avons quelques délibérations sur le sujet aujourd'hui. Donc finalement, vous êtes presque dans notre équipe. Très bien. En tout cas, merci pour cette présentation et je pense que Montfort n'est pas qu'un rond-point. Je le dis assez clairement. Voilà, et il y a d'autres effectivement conseillers municipaux qui habitent sur Montfort, en particulier l'adjoint à l'urbanisme et puis également une autre conseillère municipale qui sont sur Montfort. Donc ce n'est pas qu'un rond-point. Voilà, je crois qu'il faut bien vous mettre ça en tête. Mais par contre, c'est vrai que c'est un hameau qui est plus distant, qui présente des avantages et des inconvénients. C'est un petit peu comme quand vous habitez en montagne et quand vous habitez en plaine. Donc il y a des avantages d'habiter à Montfort, il y a des inconvénients, donc il faut toujours faire la part. Mais si vous souhaitez vous rapprocher du centre-ville, c'est toujours possible. Surtout qu'il y a du logement qui est en cours de construction et on continuera à avancer sur cette politique du logement. Très bien, je vous propose donc de passer à la première délibération. Donc c'est un bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'année. Je vais laisser Patrick Ayache développer, mais vous verrez que ce sont un certain nombre de délibérations, enfin ce sont un certain nombre d'acquisitions et de cessions, surtout les acquisitions qui visent notamment au soutien du commerce de proximité. Et qui vise aussi à avoir une politique foncière sur le cœur de ville. Je te laisse la parole, Patrick. Bonsoir à tous et toutes. Alors, ce bilan des acquisitions cessions immobilières de l'année 2021. Donc, je précise que le montant frais compris s'élève à 1 052 921,72 euros. Vous avez le détail des acquisitions, rapidement une parcelle de terrain acquise à titre gratuit, une propriété dite Michelin, donc en bas de l'avenue de la Résistance, comprenant une maison ancienne, une cave, petite cour, une propriété juste devant la mairie, maison, la propriété dite Charpennes, la maison Michelin au prix de 244 500. La maison Charpennes, 280 000. Une propriété dite Brun au 107 avenue de la Résistance pour un montant de 315 000 euros. Un local commercial à usage de bureaux de tabac pour un montant de 210 000 euros. Voilà, le détail des cessions immobilières en 2021 est le suivant. Donc des parcelles de terrain dans le cadre du transfert des zones d'activité économique à la commune Le Grésivaudan pour 1 539 429 euros. Des parcelles de terrain situées en amont de la digue du pied de Crawl contre une parcelle classée en pâture d'une superficie de 1 391 euros. Une parcelle de terrain située rue des Sources pour une régularisation foncière pour un montant de 1 265,42 euros. Des parcelles de terrain dans le cadre de la ZAC Éco-Quartier pour un montant de 93 759 euros. Des parcelles de terrain pour la réalisation d'un centre funéraire donné bail à construction pour une durée de 50 ans. Voilà, le bilan des acquisitions et cessions 2021 sera annexé au compte administratif de la commune. Donc, après cet exposé, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'approuver le bilan des cessions et acquisitions réalisées sur l'exercice budgétaire 2021.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ces acquisitions, cessions qui ont déjà été présentées, hein ? Simplement un récapitulatif. Donc, je pense que nous ne votons pas hein, sur le sujet, c'est simplement une approbation. Pas de questions, donc je vous propose de passer à la délibération suivante. Toujours Patrick Ayache, pour une présentation et autorisation de dépôt de permis de construire du projet de maison pour l'emploi porté par la communauté de communes du Grésivaudan. Alors, ce projet de maison pour l'emploi du Grésivaudan, donc, comme son nom l'indique, c'est un projet qui sera porté par la CCLG. À la suite d'une étude réalisée en 2016, qui a mis en lumière un besoin de locaux adaptés à des actions de formation, de connaissance des métiers, de bilan de compétences. Voilà, le tèdement a été identifié pour la réalisation de ce projet et localisé dans la zone UD du PLU de la commune pour une parcelle de libre de AY127 pardon, appartenant actuellement à la commune, situé au nord-est des maisons familiales rurales. Le terrain d'assiette du projet de maison pour l'emploi fera l'objet d'un bail à construction dont les modalités seront validées par une délibération ultérieure visant l'avis du service des France Domaine. Les travaux relatifs au permis de construire ne pourront pas démarrer par anticipation de l'acte foncier. Donc, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'approuver l'article 1, d'approuver le principe de céder à la communauté de communes le terrain d'assiette du permis de construire de la maison pour l'emploi du Grésivaudan via un bail à construction dont les modalités juridiques et financières feront l'objet d'une délibération ultérieure. Et article 2, d'autoriser la communauté de communes, le Grésivaudan, à déposer une demande de permis de construire sur la parcelle AY127. Alors, dans le détail, j'ai une note pour synthèse. La genèse du projet 2016. À la suite d'une étude réalisée par la CCLG sur les difficultés d'accès à la formation, un besoin de locaux adaptés, comme j'ai pu le dire, une croissance d'activité, la création de cette maison intercommunale. Alors, je voudrais vous dire que la maison sera rue Emmanuel Mounier, je ne me suis pas trompé, monsieur le maire, à Crolles, en face de la maison familiale et rurale. Ce projet porté par la CCLG s'établit sur une parcelle nous appartenant. Voilà. Alors après, bon, les photos. Oui, vous avez des photos. D'accord. Situé derrière le réservoir, me souffle Gilbert. Ensuite, alors il y a un planning. Au conseil municipal du 1er avril, aujourd'hui, délibération de principe autorisant ce dépôt de PC. En avril 22, le calage du PC, notamment concernant les demandes issues de la CEV. En mai 22, dépôt du PC. Mai-juin 22, calage du découpage foncier et du bail à construction. Au conseil municipal de juin ou septembre 22, la délibération autorisant le maire à signer le bail à construction. Fin 2022, signature du bail à construction, début des travaux en 23 et la fin des travaux en 24. Voilà, si vous avez des questions, je vous en prie. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Bon, Question, pas de question. Bon, je trouve que c'est quand même, on peut être très heureux d'accueillir effectivement ces locaux qui permettront d'accueillir la mission locale, bien entendu, parce que les locaux étaient un peu exigus. La mission locale, je rappelle qu'elle travaille avec les jeunes jusqu'à 25 ans. Donc ça permet d'avoir un accompagnement en direction de l'emploi, mais ça sera aussi un lieu de formation. Et ça sera un lieu aussi de mutualisation, puisqu'il y a eu des discussions également avec les maisons familiales et rurales, notamment dans le cadre de formation, pour essayer de trouver des possibilités de restauration sur les maisons familiales et rurales. Donc ça participe plutôt de quelque chose d'intelligent. On mutualise des moyens. Bon, vous avez vu qu'il y a 300 mètres carrés, je crois, hein, de photovoltaïque sur le toit, donc c'est plutôt pas mal. J'ai fait quelques remarques également sur
l'aspect lumière artificielle dans les bâtiments, parce qu'on oublie, pas lumière artificielle, mais lumière naturelle. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant dans les bâtiments, même si les LED consomment moins, d'avoir de la lumière naturelle. Donc, il y a des choses qui vont être mises en place, notamment à travers ce qu'on appelle des solar tubes, c'est-à-dire qui permettent de faire descendre de la lumière naturelle en dehors des fenêtres et des ouvertures classiques. Donc, je pense que ça sera un lieu effectivement d'échange et ouvert et tourné vers l'emploi et en particulier l'emploi des jeunes. Très bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette autorisation de dépôt de PC ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, une délibération à mon avis importante, qui est une délibération qui nous demande avis sur la révision du plan de protection de l'atmosphère, ce qu'on appelle le PPA. C'est un document qui fait 164 pages de mémoire, il est accessible sur le site de la préfecture. J'en ai fait déjà une présentation en tant que VP au Grésivaudan sur l'environnement, l'énergie et l'innovation, donc au dernier conseil communautaire, et vous verrez qu'au titre de la ville de Crolles, bien évidemment, on va suivre son avis qui ont été d'amendements qui ont été portés par le Grésivaudan, mais j'en ai ajouté un et je donnerai quelques éléments ensuite. Bon, pour ceux qui ne sont pas conseillers communautaires, donc le PPA, le premier PPA a été première pierre du PPA a été posée en 2006. Ça concernait 45 communes, essentiellement les communes de la métropole grenobloise, et ça a beaucoup travaillé sur tout ce que sont les émissions industrielles. Donc là, on a engagé le PPA 3. Donc le PPA 3 regroupe un peu moins de 300 communes. Donc vous voyez qu'on est sur un périmètre complètement différent. Ça couvre le périmètre, bien évidemment, de Grenoble-Alpes Métropole, le CA du Pays Voiraudais, Bièvre-Est, donc c'est plutôt côté nord-Isère, Bièvre-Isère, le Grésivaudan, c'est-à-dire nous, Saint-Marcellin-Vercors-Isère, donc là encore nord-Isère, le Trièves, donc là on est plutôt dans le sud, et les vallées du Dauphiné sur le sud-Isère. Donc ça couvre toutes ces parties de vallée. Pour l'instant, donc les massifs de Chartreuse et de Vercors ne sont pas inscrits dans ce périmètre. Donc ce plan sera valide de 2022 à 2029 avec un certain nombre d'enjeux sanitaires et environnementaux. Les enjeux, c'est bien évidemment de réduire un certain nombre de polluants, notamment les oxydes d'azote, essentiellement liés au transport et aux énergies fossiles. Les PM10 et 2,5, donc essentiellement liés au chauffage non performant. Mais il ne faut pas oublier que ces PM2,5 et 10, on en a aussi des émissions. Quand vous avez un train qui freine, ça libère des particules fines. Quand vous avez une voiture qui freine, ça libère aussi des particules fines. Donc demain, si on règle ce problème, la grosse masse, on va dire, c'est le chauffage non performant. Mais il n'en restera pas moins qu'il y aura encore des problèmes de particules à traiter liés à d'autres sources. Bon, sachez que sur le chauffage non performant, il y a des dispositifs effectivement intéressants d'accompagnement pour changer de chauffage. Hein. Le chauffage non performant, c'est essentiellement le chauffage au bois, foyer ouvert. Donc ça pollue, et en plus, si vous n'utilisez pas un bon bois de chauffage, si un bois de chauffage qui n'est pas suffisamment sec, vous émettez encore plus de particules. Donc il y a des aides, et le Grésivaudan contribue également à ces aides pour réduire ces chauffages non performants. Ensuite, on a d'autres composés qui sont les COV, ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, non méthaniques. On a également les oxydes de soufre, donc peu d'impact ou peu d'enjeux, en tout cas sur le territoire. L'ozone est un vrai sujet, parce que l'ozone est un polluant secondaire hein, qui est issu effectivement de la dégradation des COV, c'est-à-dire que vous faites un petit mélange composé organique volatile, oxygène et intensité du rayonnement solaire, et vous générez de l'ozone. Et cette ozone, effectivement, a des effets important, non seulement irritant pour les personnes, mais ça a un impact aussi sur le changement climatique, ça influe le réchauffement.
Et puis, on ne le sait pas toujours, mais c'est un impact sur la photosynthèse. Donc, ça peut perturber à la fois l'économie agricole et puis à la fois l'économie forestière. Et ce qui est assez surprenant, c'est que souvent, on trouve plutôt ça dans les zones excentrées, parce qu'en zone très urbaine, on a des nitroxydes d'oxygène qui, finalement, réduisent l'ozone. Donc, finalement, si vous êtes en zone très urbaine, vous avez souvent moins d'ozone que sur les zones périphériques. Bon, et puis après, on a le NH4, donc le NH3, pardon, ça, c'est le secteur agricole. Alors, ça a des impacts, bien évidemment, je le disais, sanitaires, environnementaux. Je tiens toujours à le rappeler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des décès liés à la pollution de l'air. Je crois qu'il faut qu'on rappelle que ce sont quand même des éléments de comorbidité. C'est-à-dire que si vous êtes fragile, c'est des problèmes respiratoires, ça réduit votre durée de vie, en gros. Donc, ça réduit de plusieurs mois la durée de vie. Bon, après, il peut y avoir des infarctes récurrents chez les enfants jeunes, etc. Mais c'est quand même important de rappeler que ce sont des éléments de comorbidité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Bien évidemment, je pense qu'on a tous intérêt à respirer un air de meilleure qualité. Ensuite, quelques éléments quand même rassurants. C'est-à-dire souvent, on se fait un peu peur avec ces sujets-là. On a une sorte de station Eratmo, et l'idée dans ce PPA, c'est effectivement d'atteindre les valeurs cibles de l'OMS. Et finalement, on n'est pas loin sur l'ensemble des stations Atmo d'atteindre ces valeurs cibles. Il y a un seul endroit où on n'atteint pas la valeur cible, et ça sera plus difficile, c'est la station qui est sur les grands boulevards à Grenoble. Bon. Et ça me permet de focaliser un point important qu'on oublie souvent, c'est que quand vous avez des polluants, vous avez à certains endroits ce qu'on appelle les effets canyon. C'est-à-dire que vous concentrez les polluants tout simplement parce que vous avez créé une rue avec deux murs d'habitation, deux murs d'immeubles. La voirie n'est pas suffisamment large, vous n'avez pas d'espace qui font circuler l'air, et donc vous créez des concentrations locales et vous exposez les personnes qui sont sur ces axes urbains, qui sont sur ces axes routiers, respirer plus de polluants qu'ailleurs. Donc quand on réfléchit à urbanisation, il faut faire attention à ces sujets-là. Bon, on nous prédit l'arrêt de la voiture thermique à l'horizon 2050. J'ai quelques doutes, parce que quand on parle de voitures électriques, si on regarde le bilan carbone, entre le thermique et l'électrique, on peut discuter. C'est-à-dire que si on regarde uniquement de notre côté, à nous, très proche, le bilan carbone est plutôt bon sur l'électrique. Si on regarde un petit peu en amont, c'est-à-dire la production des batteries, la nécessité d'utiliser des terres rares, ça détériore quand même relativement le bilan carbone de l'électrique. Donc, voilà, j'invite à la prudence sur ces sujets-là. En tout cas, documentez-vous, ça me semble important d'avoir ces informations-là. Donc, le plan s'axe sur six grandes thématiques, la mobilité et l'urbanisme, donc j'ai déjà cité tout à l'heure, le résidentiel et le tertiaire, l'industrie et le BTP, l'agriculture, les communications et puis les éléments transversaux, notamment pour faire respecter la réglementation, surtout en zone de pic de pollution. Donc, c'est comment on traite mieux dans ces périodes-là. Alors, quelques points de vigilance, parce que la métropole, vous savez qu'on a une obligation aujourd'hui dans la loi climat et résilience, les grandes métropoles, donc 10 en France, ont l'obligation de rentrer dans ce qu'on appelle des ZFE, c'est-à-dire des zones à faible émission de polluants. Bon, la métropole grenobloise envisage d'interdire à l'horizon 2022 ce qu'on appelle les critères 3. Mais dans des échanges préalables à l'écriture de ce document, la métropole laissait, en tout cas certains élus de la métropole, laissaient transparaître une volonté d'interdire le diesel à un horizon bref. Bon, ça pose de vraies questions. Je veux dire, on peut discuter du diesel. Oui, ça émet
plus de CO2 que l'essence. Il y a aujourd'hui des carburants alternatifs et des carburants issus d'huile recyclée, notamment d'huile hydrogénée, dont on ne parle pas beaucoup, et qui sont notamment les carburants de type HVO. Je ne parle pas des carburants qui sont issus de l'huile de colza, hein, puisque là, on fait de la culture pour générer de l'huile de colza. Bon. Donc, il y a d'autres carburants qui sont potentiellement intéressants. Et ce qu'on demande dans cette délibération, et ce que demande aussi le Crédit Vaudan, c'est qu'on ait une cartographie assez claire des zones dans lesquelles on sera en ZFE, c'est-à-dire interdiction de circuler à partir d'une certaine vignette, et des zones dans lesquelles on pourra circuler, donc a priori plutôt sur les grands axes, donc qui permettront néanmoins de traverser la métropole grenobloise. Et puis, ces dispositions, forcément, nécessiteront des moyens pour accompagner en particulier nos artisans, les PME, TPE, parce que pour un bon nombre, elles utilisent encore des fourgonnettes qui sont des fourgonnettes non pas électriques, mais qui roulent au diesel. Donc la communauté de communes va mettre des fonds pour accompagner ce qu'on appelle le verdissement de ces flottes. Donc voilà un petit peu un résumé rapide des grandes lignes. Donc si je reviens à la délibération, donc sur ces six grandes thématiques, il est proposé d'émettre sur l'ensemble des actions qui sont proposées et qui sont résumées dans la note de synthèse. Hein. La note de synthèse est un petit peu plus courte que le document de 164 pages. Mais en tout cas, les remarques que nous allons porter aux observations, c'est notamment sur la gouvernance de l'air. Donc une action qui en tout cas ne reflète pas assez clairement l'implication des communes aux côtés des EPCI, parce que les communes, bien évidemment, ont des leviers d'action sur ce PPA. On peut déplorer aussi, sur l'aspect communication, le fait que l'ADEME, donc qui est l'agence qui travaille sur le sujet, parce que la communication sur ces sujets-là est importante. Donc il y a 20 000 euros uniquement en plan triennal, donc ce qui n'est pas énorme en termes de communication. Donc autre action sur les mobilités, c'est poursuivre effectivement la ZFE véhicules utilitaires légers et poids lourds, donc pour optimiser. Donc c'est déjà ce que j'ai dit, donc on a un petit bémol. Donc, au vu des nombreuses interactions socio-économiques et fonctionnelles entre la métropole grenobloise et la commune de Crolles, je rappelle que ne serait-ce que sur les simples mobilités, il y a deux fois plus de mobilité entre la métropole grenobloise et le Grésivaudan qu'entre la métropole grenobloise et le Voironnais. Alors que le Voironnais dispose déjà sur ses périphéries de trams, dispose aussi d'un réseau ferré plus adapté. Donc c'est pour ça que nous avons également une remarque, en tout cas sur l'action mobilité 1.2 qui est développer les offres de l'attractivité et transport partagé. C'est qu'on ait des engagements beaucoup plus fermes de l'État et de la région Rhône-Alpes sur ce sujet du transport ferré. Il nous semble que c'est un petit peu faible. Et ensuite, sur l'action MU5, donc limiter l'exposition des populations dans les zones les plus polluées, je crois qu'il est important quand même de rappeler que la logique du quoi qu'il en coûtera devrait aussi s'appliquer à des logiques de santé publique. Parce que sur le territoire, je le disais tout à l'heure, vous avez des centres-bourgs, et Crolles a un centre-bourg, et on sait bien qu'on a 10 000 véhicules le jour qui passent sur ce centre-bourg, et sur ce centre-bourg, bien évidemment, les riverains sont et subissent de façon plus importante l'exposition aux polluants que quand on est en milieu de vallée. Donc, à ce titre-là, il ne vous a pas échappé que la loi 3DS, publiée il y a peu de temps, on commence à avoir des décrets d'application, et il y a des décrets d'application qui envisagent le transfert aux départements, aux métropoles, aux régions, d'un certain nombre d'infrastructures, non seulement routes, mais autoroutes. Donc ça m'invite à vous proposer donc, de dire que la commune demande
que les solutions soient étudiées, notamment sur la gratuité de l'autoroute A41 dans le Grésivaudan. Parce que clairement, on est et on sera demain à horizon d'une dizaine d'années sur un secteur qui sera en secteur urbain avec une activité économique assez forte. Vous connaissez aujourd'hui les perspectives sur ST Soitec, mais on a également des entreprises importantes, notamment Bombardier qui s'installe au Chéla. On a des entreprises qui s'installent également à Pontcharra. Vous connaissez le prix du foncier sur la commune de Crôl. Donc aujourd'hui, on a des déplacements et ça m'arrive de côtoyer des gens aux revenus modestes qui travaillent à Crôl. Et quand on les questionne sur comment vous venez de Chaparayan, des marges en fait du Grésivaudan, comment vous venez à Crôl, souvent ils viennent en voiture et ils viennent en voiture en utilisant les routes départementales parce que le péage coûte cher. Je veux dire, les quelques zéros du péage quand vous êtes au SMIC, ça pèse. Donc l'idée, c'est effectivement de porter dans cette délibération, en tout cas cette réflexion sur la gratuité de l'autoroute A41 sur l'ensemble du secteur Pontcharra jusqu'à Grenoble. Bon. Je pense que de temps en temps, il faut fixer des caps et je pense que la population nous suivra sur ce cap parce que je pense qu'il vaut mieux avoir une autoroute en milieu de vallée. Ce n'est pas pour autant que ça ne nous empêche pas de travailler sur les modes, sur des modes alternatifs, mais en tout cas, ça permet d'avoir, enfin de réduire, ça nous permettra de réduire également l'exposition des populations sur non seulement Crôl, mais moi je pense à la commune de Limbin, je pense à la commune de Sainte-Marie-d'Alois, je pense à la commune de Tansin, à la commune de Gonselin, qui sont traversés directement par les routes départementales avec les logiques des villages-rues. Bon, le Touvé, ils sont déviés. La Terrasse, ils sont déviés. Donc il y a un certain nombre de communes qui sont déviées. Et puis je pense également à Viarabono, Froge, hein, qui n'ont pas de déviation. Donc c'est, je pense, un vrai sujet de santé publique. Donc je vous propose effectivement dans cette délibération que nous portions cette idée de réfléchir à la gratuité de l'autoroute A41 dans le Grésivaudan. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Oui, s'il vous plaît. Avant les questions, j'ai d'abord une première remarque, parce que vous disiez tout à l'heure que la mortalité liée à la pollution était uniquement le fait de comorbidité. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a certes les comorbidités, mais il y a également les cancers liés à l'environnement, et donc liés aux polluants atmosphériques, entre autres. Donc, il ne faut pas les oublier non plus. Il n'y a pas que les personnes fragiles à la base qui meurent de la pollution. Je vous conseille pour ce faire le film Goliath, si vous voulez regarder, c'est intéressant. Et par ailleurs, par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux émissions des voitures et autres, nous sommes quelques-uns à avoir participé à un atelier 2 tonnes, donc je conseille aux Crôlois de pouvoir participer à un de ces ateliers, c'est vraiment très intéressant. Cet atelier a été créé suite à la COP de Paris, où l'objectif a été fixé d'arriver au niveau mondial à 2 tonnes de CO2 par habitant à l'horizon 2050, par an, bien sûr, sachant qu'aujourd'hui, on est pour les Français à pratiquement 10 tonnes par an. Donc, on a du boulot et on a un peu moins de 30 ans pour le faire. Voilà, donc ces ateliers-là, c'est vraiment intéressant pour prendre conscience et trouver quelles solutions on peut trouver pour baisser sa consommation. Voilà, et par rapport donc au sujet vraiment de la délibération, la gratuité de l'autoroute, c'est une chose qui est effectivement intéressante, uniquement si elle est couplée effectivement avec un travail sur les modes de transport moins impactants, et ce qui est le cas aussi également avec le travail sur la gare de Brignoux, etc. Voilà, donc ça, il faudra y veiller. Et il y a une question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi, sur cette autoroute, de penser à une voie réservée pour les transports en commun, le covoiturage, etc., pour inciter les gens à voyager autrement? Ce sont des choses qui sont identifiées dans le PPA, notamment sur le secteur entre Crôl et Grenoble. Sur les voies réservées, il y a aussi une volonté d'abaisser la vitesse à 110 km/h, ce qui permettrait de réduire les émissions de polluants. On sait que le fonctionnement d'un moteur thermique, le meilleur rendement, c'est aux alentours des 70-80 km/h. En dessous, on est moins bon. Hein, donc,
Mais oui, je pense qu'il faut, il faut travailler sur ces sujets-là. Alors après, il faut toujours être volontariste. Hein. Vous savez, sur le Ferré, on l'inscrit pour avoir suivi en tout cas les choses politiques et notamment sur l'amélioration du Ferré. Ça a pris presque 20 ans pour qu'on arrive à avoir potentiellement une troisième voie à l'horizon 2024-25 dans le Grésivaudan. Donc, ça veut dire que ces choses-là, elles se travaillent dans le temps. Et plus vous avez de partenaires, là, on a une discussion aujourd'hui avec Réseau Ferré de France sur notamment les modes doux et la continuité des modes doux à travers la valorisation de la gare de Brignoux, parce que des études montrent que le PN27 là, qui va être supprimé, il n'y a pas de problème, il y aura une voie automobile dessous, mais par contre, il était prévu un souterrain du côté de la gare. Bon. Et le premier sondage montre qu'on est en terrain pollué. Donc, Réseau de Ferré de France dit, oh là, trop cher là, beaucoup trop cher. Donc, le maire de Villarbonneau, et je le soutiens largement sur le sujet, ainsi que le maire de Frauges, ont saisi les différents partenaires, donc le département, la région, l'État, Réseau Ferré, pour dire, aujourd'hui, cette gare s'installe et s'installera dans une volonté d'avoir du déplacement déjà plus vertueux avec la voie ferrée, mais ensuite d'offrir la possibilité d'utiliser un vélo ou demain peut-être des navettes autonomes hein, sur la passerelle Crolles-Brignoux. Je rappelle que la passerelle Crolles-Brignoux, un sujet dont j'entends parler depuis 15 ans. Depuis 15 ans, un maire qui m'avait précédé avait essayé de porter des idées sur du téléporté. Bon, très bonne idée, sauf que c'était moins cher effectivement que faire des ponts. Seul problème, c'est les coûts de fonctionnement et puis on n'avait pas la densité urbaine suffisante parce qu'aujourd'hui, ce genre d'outils sont souvent intéressants dans des zones urbaines beaucoup plus denses. Donc, croyez que oui, il faut avoir de la volonté et de la constance. Et si je peux juste rajouter une chose, à l'heure actuelle, alors je sais qu'il y a un travail qui est entamé à ce sujet avec le SMAG, etc. Mais à l'heure actuelle, par exemple, traverser la vallée, c'est quasiment impossible en transport en commun. Se rendre à la gare de Brignoux, malheureusement, c'est impossible en transport en commun. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes, des jeunes même, qui voudraient aller pour aller au lycée ou à la fac, voilà, ne peuvent pas se rendre à la gare, malheureusement, par les transports. Bon, je ne connais pas suffisamment le réseau, mais normalement, vous avez le réseau Togo, vous avez du transport plutôt sur les plages horaires du matin et du soir, parce qu'on est sur le pendulaire, mais qui existe en direction de la gare. Hein. Non, mais bien sûr, oui, il y a du transport. Alors après, que les bus soient pris, que les bus soient pris malheureusement dans les embouteillages du matin et du soir, ça c'est une réalité, ça c'est clair. Si les collégiens veulent revenir très vite, il vaut mieux qu'ils reviennent à pied. Et j'espère que demain, avec la passerelle en 2024, j'espère qu'elle sera là effectivement en 2024, bon, ils pourront aussi se déplacer en mode actif. Ils ont peut-être parlé tout à l'heure de vélo assistance électrique. Hein. Mais bon, quand on est jeune, on peut aussi prendre son vélo. Mais aujourd'hui, on est aussi face à des populations jeunes, notamment sur les temps scolaires et lycéens, qui voudraient quasiment un transport à la demande, parce que quand ils ont fini leur cours, ils voudraient rentrer. Ça a été des vrais débats, notamment sur les transports à la demande, sur le territoire de Belledonne. Bon. Bah, quand j'étais au lycée, le lycée était assez loin, je n'avais pas trop d'alternatives. C'est-à-dire j'avais un bus ou deux bus le matin, deux bus le soir, et puis au-delà de ça, je n'avais rien. Il n'y avait même pas de réseau de transport. Et parfois, ça m'arrivait de rentrer à pied et de faire 5-6 bornes à pied parce que j'avais envie de rentrer parce que c'était 2h de l'après-midi et que je n'avais pas d'autres moyens de transport. Donc, il y a des moyens de transport. Togo est là. Donc, on peut rejoindre l'autre rive. Mais c'est vrai qu'à certains moments, ce que disent la confiture de trafic, c'est comme ça que disent les anglo-saxons, la confiture de trafic, effectivement, gêne le passage inter-rive. Ça, c'est une réalité aussi.
Est-ce que vous avez d'autres remarques sur cet avis de la révision du plan de protection de l'atmosphère ? Pas d'autres remarques ? Donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. En tout cas, j'espère qu'on pourra faire progresser la cause de la qualité de l'air demain avec ce PPA, mais c'est un enjeu pour chacun. Et ce qui me permet d'avoir une transition toute trouvée pour deux délibérations qui visent à faire en sorte d'améliorer la part du report modal. Le report modal, c'est en gros qui utilise quoi ? La voiture, les transports en commun, la marche à pied, le vélo. Si vous avez regardé d'ailleurs le rapport du PPA, on voit qu'à Grenoble, on doit être à 4-5% de report modal sur le vélo. Nous, on est situé à 1%, ce n'est pas tout à fait juste, sur Crolles, peut-être 1% sur l'ensemble du territoire du Grésivaudan, mais à Crolles, nous avons en 2018 mis en place un plan local de déplacement, et le diagnostic de ce plan local de déplacement établissait le report modal, en tout cas la pratique du vélo, à 4%, et la pratique de marche à 4%. Bon, sachant qu'il reste quand même 80% de voitures. Bon. Alors tout le monde, comme je le dis souvent, n'a pas la chance de pouvoir habiter et travailler à Crolles. Donc, ce n'est pas toujours simple, mais en tout cas, quand on peut le faire, on va essayer d'inciter au vélo. Donc, première délibération, c'est... Oui ? Oui, j'ai regardé rapidement là sur... La ligne qui fait Villarbonneau-Crolles qui traverse la vallée, donc c'est la G3. Et je vois qu'il y a 17 bus par jour, 17 dans un sens et 17 dans l'autre, qui commencent à 7h moins le quart le matin jusqu'à 19h20. Alors moi, je suis dessus et j'en ai à 7h28 le matin, un à 12h15 et un à 15h15. Non, c'est pas le même truc. Hein. Par contre, simplement pour dire aussi qu'ils sont le matin très pleins par les gars. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Mais le matin, par contre, c'est super plein. Bon, et échangez vos informations. De l'importance, je le rappelle, de trouver la bonne information sur les réseaux sociaux. On est quasiment tous capables de trouver l'information qui nous va bien. Donc, trouvons la bonne information et pas l'information qui nous va bien. Bon, je vous propose qu'on regarde cette discussion autour de la fréquence de la G3 en fin de conseil. Bon, j'invite en tout cas tous les Crolois qui nous suivent d'aller voir sur le réseau Togo et de regarder en direct avec leurs propres yeux les horreurs de la G3. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion et c'est ce qui me paraît le plus juste plutôt que d'écouter ce que peuvent raconter parfois les conseillers municipaux. Donc, allez voir, il y a des documents, ça existe. Regardez les horaires de la G3. Je vous propose de revenir à la délibération donc, concernant la mise en place d'une aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique, et c'est ce qu'on appelle le chèque vélo électrique pour tous. Bon, il ne vous a pas échappé, Madame Lejeune nous le rappelait tout à l'heure, qu'elle était une tenante du déplacement en vélo. Donc, ça tombe bien, puisque... Pour son arrivée au conseil municipal, elle va pouvoir voter des délibérations qui vont dans le bon sens. En tout cas, moi, je pense qu'elles vont dans le bon sens. Donc, vous savez que, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est un lien très, très clair à améliorer la qualité de l'air. Hein, si on modifie nos modes de déplacement, ça permet effectivement d'avoir moins de voitures sur l'espace public. Donc, c'est quand même plus agréable d'essayer de favoriser ces modes alternatif à la voiture. Donc, ce que nous proposons, c'est un chèque vélo électrique pour tous. Parce qu'il ne vous a pas échappé que le coût d'un vélo électrique, ce n'est pas donné. Bon, si vous voulez un vélo électrique digne de ce nom, il faut compter entre 1 400 et 3 500 euros TTC.
ce qui n'est pas anodin. Donc ça veut dire que quand on a un peu les moyens, j'ai toujours, quand on a les moyens, on a le choix. Quand vous n'avez pas de moyens, vous n'avez que les choix qui vous restent. Hein. Une fois que vous avez payé votre logement, une fois que vous avez payé la nourriture, une fois que vous avez payé les études pour les enfants, et voilà, c'est ce qui vous reste. Donc, acheter un vélo électrique, ce n'est pas toujours évident. Et puis, votre priorité, c'est peut-être d'entretenir votre voiture diesel qui vous permet de partir en famille en vacances, dans un camping, sur la Côte d'Azur ou ailleurs. C'est une réalité. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une aide adaptée. Bien évidemment, on va exclure personne de l'aide, mais cette aide va être modulée. Donc, elle va être modulée en fonction du quotient familial. C'est-à-dire qu'en gros, elle s'étalera de 600 euros pour les quotients familiaux les plus bas. Et pour les quotients supérieurs à 1700, vous pourrez bénéficier d'une aide de 150 euros. À savoir que cette aide pourra être complétée ensuite par une aide de l'État. C'est-à-dire que l'État vous accompagne si une collectivité, c'est-à-dire une commune ou une intercommunalité, met un euro dans la machine. Oui, ça vient en plus. Ça vient en plus. C'est limité, je crois, l'aide de l'État est limitée à 200 euros, sauf erreur de ma part. Hein. C'est bien ça ? Et sous conditions sociales. Hein. Merci, Monsieur Fabry, qui a travaillé sur ces éléments-là très techniques. Donc, l'objet, c'est aussi de travailler avec le commerce local, hein, puisque l'économie circulaire, c'est quand même des choses plutôt vertueuses. Donc, sur l'économie circulaire, donc on va travailler avec les vélocistes volontaires et locaux. Donc, vous verrez qu'il y a une convention de partenariat entre le vélociste et la ville de Crolles. Donc, le vélociste s'engage à assurer un service, à vendre un vélo entre 1400 et 3500 euros. C'est-à-dire que les prix d'achat inférieurs ne seront pas pris en compte et pas aidés. Les prix d'achat supérieurs ne seront pas pris en compte. L'idée, ce n'est pas de s'offrir un vélo super VTT ou un super vélo de course. C'est de s'offrir un mode de déplacement, c'est-à-dire un outil pour se déplacer. Donc, le vélociste s'engage bien évidemment à assurer le service après-vente et dans un rayon de 3 km. Parce que ça nous semblait important, vous tombez en panne, faut pouvoir arriver chez le vélociste avec le vélo. Hein, s'il est complètement bloqué, ce n'est pas toujours évident. Ce sont des vélos souvent lourds. Et puis après, vous avez un ensemble d'engagements administratifs et comptables. Que je vous laisserai lire, bien évidemment. Et ensuite, le vélociste déposera les factures du chèque vélo électrique pour tous sur la plateforme Corus. Ça, c'est une plateforme financière, hein, donc des services finances de la ville de Crolles. Donc voilà pour cette première délibération qui vise effectivement à accompagner dans une enveloppe budgétaire dans un premier temps de 10 000 euros. Donc nous verrons bien évidemment le succès de cette opération. Si ça fonctionne bien, on renouvellera pour le moins l'année prochaine, et puis peut-être qu'on sera amené à augmenter l'enveloppe l'année prochaine s'il y a vraiment un engouement et si on s'aperçoit que ça marche. L'idée, c'est vraiment d'aider, et vous verrez, il y a d'autres propositions derrière, d'autres délibérations, c'est d'accompagner les gens qui n'ont pas les moyens ou qui sont encore mentalement un peu à distance de cet outil. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette première délibération. Pas de questions, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons fait déjà un premier pas sur notre vélo. Alors ensuite, deuxième délibération. On n'est pas là sur la logique de l'acquisition, mais on est là plutôt sur essayer de faire découvrir. Donc découverte, il ne suffit pas de monter sur un vélo électrique pendant 2 minutes. Ça, c'est sympa, je l'ai fait, mais il faut plutôt l'utiliser dans le quotidien, donc se rendre compte de l'usage et du confort qu'il peut apporter dans le temps. Hein, je rappelle que déplacer en vélo électrique, ça présente un autre avantage, c'est que quand vous garez n'importe où. Vous allez faire vos courses, vous êtes quasiment devant la boutique. Hein. Vous posez vos vélos devant la boutique, vous rentrez dedans. Quand vous stationnez, c'est toujours plus compliqué, vous ne trouvez pas forcément une place. Et comme les gens veulent toujours faire du drive,
même avec les enfants. Donc, j'aimerais bien qu'ils fassent du drive avec les vélos cargo qu'on va leur proposer. Donc, l'idée, c'est deux opérations, à la fois le vélo électrique solidaire, parce qu'on est dans cette logique de solidarité. Vous faisiez mention tout à l'heure des valeurs de Crawl 2020. Bon, vous voyez qu'on n'a pas à rougir de nos valeurs aussi. L'idée, c'est le vélo électrique solidaire et faire découvrir le vélo cargo. Donc, le vélo électrique solidaire, c'est un partenariat. Les deux sont des partenariats avec le SMAG, le syndicat des mobilités de l'air de la région grenobloise. Et je crois qu'on est, on va dire, la première commune. Première commune en partenariat avec le SMAG à développer ce type d'initiative. Donc là, nous sommes aussi non seulement solidaires, participatifs, écologiques, mais innovants. Parce qu'il faut innover. Donc, on va innover avec effectivement cette idée de trouver des alternatives pour les gens qui sont à faible revenu, c'est-à-dire pour les quotients inférieurs à 706 €, parce que ça, c'est ce qui est proposé par le SMAG, c'est de bénéficier effectivement de la location d'un vélo à assistance électrique pendant 3 mois. Alors, on aura un certain nombre de dispositifs à côté du vélo, c'est-à-dire que le SMAG mettra en place son abonnement Transport to Go. Donc, ça permettra non seulement de bénéficier pendant 3 mois de l'essai du vélo, mais en plus de découvrir les lignes régulières et notamment la G3 qui nous permet d'aller à la gare de Villarbaudeau, mais également l'ensemble du réseau Togo. Et en plus, ça s'accompagne d'un petit stage de remise en selle, c'est-à-dire qu'on ne vous lâche pas sur le vélo tout seul. Donc, on vous réexplique un certain nombre de choses et notamment parfois le code de la route pour effectivement avoir ce bon usage du vélo. Donc, ça se fera en deux périodes de 10 bénéficiaires. Donc, on va voir comment l'opération marche. Vous savez qu'on a lancé l'opération Panier Solidaire, qui est suivie par Marc Lizère. On est un petit peu sur le même principe et sur la même cible de population. Et Gilles Bercoz est en train de travailler en lien avec le SMAG, la mise en place de 2 abris vélos sécurisés dans ces secteurs pour les gens qui sont intéressés et qui n'auraient pas de lieu pour remiser le vélo en sécurité. Bon, je rappelle que la meilleure des sécurités, c'est déjà d'emmener la batterie du vélo. Ça, vous la montez chez vous et vous la rechargez. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir des abris vélos sécurisés et couverts. Donc ça, c'est en train d'être regardé par les services et Gilbert Croz. Donc ça représente un coût pour la ville de 2 600 €. Le SMAG prendra en charge le coût de l'abonnement To Go et bien évidemment, on demandera aux bénéficiaires une caution qui ne sera bien évidemment pas retirée et rendue, et puis également un coût 5 €, relatif à l'établissement d'une carte Oura pour l'abonnement To Go. Donc ça, c'est le premier dispositif. Et le repérage des bénéficiaires, c'est le service solidarité sociale sous la houlette de Marc Lizère qui va avancer sur ce sujet. Et puis l'autre opération, c'est le vélo cargo. On a beaucoup de discussions aujourd'hui sur le transport collectif, bus, gratuit, qu'on avait imaginé supprimer, parce que ça coûtait quand même ça coûtait extrêmement cher. Je rappelle que c'était 1 500 € par élève transporté. Ça payait largement le vélo aux gamins. Donc, on avait à une époque, mais ça commence à revenir. Je crois qu'il y a des parents d'élèves là qui sont en train de regarder du pédicrobus. Et ça, je trouve que ce sont des formes. Manie, tu peux peut-être en dire un petit mot sur l'histoire du pédicrobus. Tout à fait. Donc, à côté, à Cascade Soleil, on a effectivement des parents d'élèves qui font fonctionner le pédicrobus à partir de l'impasse du Bois Cornu jusqu'à l'école. D'ailleurs, on va faire un petit reportage, je vais marcher avec eux mardi. Et puis, on a également la fête du vélo qui va être à laquelle le Cascade Soleil s'est inscrite avec des animations en fin de journée et le souhait de faire découvrir le vélo cargo aux parents ce jour-là.
Tout à fait. Donc, l'idée, c'est le vélo cargo. Alors, le vélo cargo, qu'est-ce que c'est? De façon un peu simple, c'est un vélo sur lequel vous avez une caisse qui est devant vous, devant le conducteur. Vous en trouvez énormément aux Pays-Bas. Et ça permet de transporter, on va dire, deux jeunes enfants qui n'ont pas encore l'âge d'être complètement autonomes en vélo. Donc, vous pouvez en mettre deux. On va dire moins de 10 ans, vous pouvez les mettre dans cette caisse qui est à l'avant. Vous pouvez même transporter un adulte hein, devant. Donc, ça permet, vous savez que le télétravail se développe, hein, donc, mais ce n'est pas parce que le télétravail se développe que les gens font leur domicile télétravail, déposent des enfants en vélo. Des fois, ils prennent leur voiture quand même. Donc, l'idée, c'est de, pour ces gens qui ont la possibilité effectivement de fonctionner comme ça, de leur faire découvrir le vélo cargo. Voilà. Je trouve que c'est une initiative quand même intéressante, on verra si ça prend. Donc là, c'est pareil, et demain, on pourra peut-être l'étendre. J'aimerais porter cette idée-là aussi sur le territoire du Grésivaudan, de se dire que c'est peut-être un outil qui peut servir les assistantes maternelles. Parce que parfois, les assistantes maternelles, elles ont 2-3 gamins, et souvent jeunes. Donc peut-être que demain, le Grésivaudan accompagnera, et en tout cas, je fais un clin d'œil à Henri Bell là-dessus. Voilà, il y a peut-être aussi des choses à réfléchir, et je fais un clin d'œil aussi à Madame Midali, Françoise Midali, qui porte la thématique petite enfance. Je pense qu'il y a peut-être des choses à réfléchir pour effectivement les assistantes maternelles, pour leur faire découvrir effectivement le vélo cargo. Donc les coûts de ces vélos sont quand même assez élevés, 5 000-6 000 euros, donc c'est difficilement à la portée de quelqu'un qui gagne un SMIG. Bon, si on est cadre chez ST, peut-être qu'on peut se payer un vélo cargo, mais en tout cas, une partie de notre population ne peut pas s'offrir ce type d'outil. Donc, l'idée, c'est de le faire essayer gratuitement. Donc, nous aurons 2 vélos cargo mis à disposition du SMAG. On aura 2 périodes de prêt de 3 mois, donc 2 fois 3 mois, période avant les vacances scolaires et puis après les vacances scolaires. Donc, l'idée, c'est de permettre à une douzaine de familles crolloises d'en bénéficier sur la première période et 12 sur la deuxième période. Donc, vous aurez un vélo cargo sur 15 jours et donc vous pourrez tester ce dispositif. C'est bien sûr sur la base du volontariat. Et puis, les familles seront retenues dans l'ordre d'arrivée. Donc, précipitez-vous, hein, ça va être bientôt ouvert, je le dis pour ceux qui regardent le conseil municipal, qui doivent être très nombreux ce soir, parce qu'on avait un petit point... Poisson d'avril, j'espère que ça a motivé les gens à regarder le conseil municipal de ce soir. En tout cas, on essaie de trouver toutes les solutions pour que les gens participent plus, bien évidemment, à la vie communale. Donc, c'est un dispositif donc, qui nous revient à 1 400 euros au total. Donc, vous voyez qu'on met à peu près 13 000 euros sur cette logique du vélo assistance électrique, sur cette logique de la découverte et surtout avec cette notion de solidarité pour essayer de faire découvrir aux gens qui ont des moyens beaucoup, beaucoup moins élevés. Est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif vélo électrique solidaire, découvrez le vélo cargo? Oui. De notre côté, on se félicite vraiment de ça, hein, évidemment, puisqu'on est à fond comme vous. Pour le vélo et pour... Alors derrière, forcément, vous nous voyez venir, pour les vélos cargo et pour les vélos, il nous faut des pistes cyclables. Alors, il y en a pas mal dans Crolles par ici. Je ne reparle pas de Montfort parce que c'est déjà fait. Mais par ici, en fait, il y a des petites zones quand même qui sont un petit peu, vous admettrez avec moi, difficiles pour les jeunes enfants qui iraient au collège, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, j'en connais 2 ou 3, moi, pour les pratiquer. Hein. J'imagine que derrière ça aussi, je ne dis pas qu'on peut tout faire en même temps, parce qu'on est bien d'accord que la mesure est vraiment bien. C'est une qu'on avait portée, vous le savez aussi, pendant notre campagne en Crolles, il y a 2 ans, cette idée du vélo, et c'est bien que ce soit repris. C'est pas repris, nous l'avions dans notre programme, clairement. Hein, je veux dire, oui, on n'a pas d'accord. Repris. Enfin, je veux dire, parfois, en 2021 a toujours l'impression qu'on reprend leurs idées. Non, c'est souvent on les devance. Et je vous invite, Crolles 2020, et je vous invite à relire notre programme si vous ne l'avez pas lu. Mais vous regarderez, c'est clairement inscrit. Enfin, la prochaine fois, je vous donnerai la page. Bon, non, je.
je parle d'une autre. En tout cas, c'était quelque chose qu'on souhaitait faire et qui est fait. On s'en félicite. C'est ça que je voulais dire. Du coup, on est super positif là-dessus. Très bien. Bon, simplement pour répondre à votre question, oui, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire... Ah, pardon. Je voulais... Excusez-moi, je voulais juste compléter. C'est très bien. Par contre, la question qui se pose, vous voulez donc en faire profiter notamment les personnes qui ont des revenus moins élevés. Donc, une partie de ces personnes vivent en appartement. Est-ce que comment ils vont garer les vélos? Est-ce que les vélos cargo peuvent rentrer dans les box? Oui, non, mais je voulais juste être sûr que les vélos cargo rentraient aussi dans les box. Bon, pour l'instant, c'est on a deux opérations. Déjà, si les gens à faibles ressources découvrent le vélo électrique, ça sera déjà pas mal. Normalement, ces vélos cargo, on regardera, mais on travaillera de façon les dispositifs pour essayer de faire en sorte, si on a des familles à revenus modestes et qui ne disposent pas, qui sont en logement social, on regardera comment on trouve une solution. Donc, moi, j'attends surtout que les gens se précipitent sur la proposition, parce que entre faire la proposition, c'est comme les bus, on propose des bus, et puis après, les gens qui montent dans les bus, ils ne sont pas toujours super nombreux, quoi. Donc, on va faire la proposition, on va voir comment ça marche, et puis on adaptera le dispositif en fonction de l'engouement. Peut-être... Juste une précision sur le positionnement des mini-box. Pour l'instant, on a deux endroits qui ont été localisés, c'est vers le soleil, donc il y aura un mini-box. On prévoit aussi d'en mettre deux dans les Charmanches. Et on est en train de voir avec l'OPAC comment on peut en installer deux aussi aux Herdiers, puisque toute la partie intérieure des Herdiers appartient à l'OPAC. Et aujourd'hui, il n'y a pas de convention possible entre le SMAC et un organisme privé. Le SMAC veut absolument mettre ses mini-box sur un foncier public. Donc, il faut qu'on trouve le bon positionnement. Ça peut être aussi le long de la rue pour les Luards, dans les anciens locaux, là, qui sont au bord. Mais bon, ils ne sont pas très centralisés, quoi. Voilà. Donc, l'idée, c'est déjà de poser une première pierre, une première roue, en tout cas, et puis ensuite d'avancer. C'est clair qu'il y a encore des améliorations à porter sur notre réseau cyclable, mais on a quand même aujourd'hui, sauf erreur de ma part, 15-16 km de réseau cycle. Bon, quand on est depuis très longtemps sur la commune, comme moi, bah, finalement, on se dit, oui, bon, c'est bien, ça marche, mais quand les gens viennent de l'extérieur, ils ouvrent souvent des yeux comme ça. Il faut avoir participé aux nouveaux arrivants et à l'accueil des nouveaux arrivants, pour bien comprendre que les gens qui arrivent regardent souvent avec un œil neuf. C'est-à-dire, nous, on regarde avec un œil ancien, souvent un peu exigeant, mais on a quand même une qualité des réseaux cyclables, et ce n'est pas nouveau, parce que ça fait déjà une vingtaine d'années que ce réseau se met en place. Donc, c'est une volonté qui va dans le bon sens. Oui, juste une petite précision, l'heure du... Dernier, avant-dernier conseil municipal, j'avais donné des infos sur un classement, un sondage qui avait été fait par la Fédération des usagers de la bicyclette sur Crolles. Je crois qu'on l'a vu. Bon, je pense qu'on est quand même assez bien placé au niveau national sur toutes les villes qui font de moins de 20 000 habitants. Et on est systématiquement classé entre 10 et 15 premiers, enfin sur les 20 places, quoi. Enfin, c'est pas trop mal pour...
de la gendarmerie. Donc, je reprends le cours de l'échange. Donc, bien évidemment, il y a des améliorations apportées. Bon, je rappelle quand même que la part du vélo doit encore progresser, parce que dans le cadre du plan local de déplacement, sur la piste cyclable, où a priori on a le plus de mobilité vélo, qui passe en face du collège, on était de mémoire à 160 véhicules jour, enfin cycle jour. Donc vous voyez encore la marge de progression. Donc mettre des infrastructures, oui, je le rappelle, les infrastructures, on peut les améliorer. Mettre des pistes cyclables bibandes partout, ça présente aussi une autre difficulté, c'est que quand vous mettez du biband partout, vous déployez de l'enrobé, et quand vous déployez de l'enrobé, vous supprimez de l'espace vert. Donc vous imperméabilisez. Donc comment on règle ce paradoxe de dire « Ah ben, je voudrais que ça soit plus vert, je voudrais que ça soit plus perméable, et je voudrais qu'on ait des vélos. Bon, » Donc de temps en temps, je pense qu'on est amené à faire des choix, et des choix équilibrés. On a une piste cyclable qui descend rue des Sources. L'objectif aujourd'hui sur la ville, c'est d'avoir, on a un axe nord-sud, c'est à Montfort, donc on a des projets clairement sur Montfort, hein, notamment sur le chemin des Mélons. Mais vous nous laisserez quand même le temps d'arriver à 2026, et ça sera fait avant 2026, parce que bien évidemment tout ça relève de moyens financiers de la commune et de recettes de la commune, donc on ne peut pas tout engager en même temps. Mais clairement, sur Montfort, on l'a dit, nous aurons une liaison en direction de Montfort qui passera sur le chemin des Mélons, parce qu'après avoir discuté avec un certain nombre d'habitants du secteur de Montfort, c'était a priori l'itinéraire privilégié, en dehors d'un itinéraire qui serait le long de la route départementale. Donc c'est plutôt l'itinéraire qui avait les faveurs, en tout cas des gens qui ont participé aux réunions publiques sur lesquelles nous étions. Bon. Donc on mettra quelque chose effectivement pour continuer de Montfort jusqu'à Bernin. Voilà, et on a fait des continuités sur la rue Paul-Éluard. Ça a beaucoup discuté sur l'allée. Comment elle s'appelle déjà? Après les Charmanches, l'allée des Érables, oui, merci. Sur l'allée des Érables, parce que les riverains n'étaient pas forcément hyper contents. Bon, donc voilà, ça, tout ça se met en place. On a des continuités. Ça passe devant le collège ensuite, ça dessert la plaine des sports. Ensuite, l'autre axe, c'est clairement l'axe qui vient du Rafour et qui remonte à travers le parc, à travers Aliendé. J'en profite, peut-être qu'un jour, il faudra faire un peu de régulation de vitesse dans le parc. Parce que les vélos électriques, c'est très bien, mais ça roule à 25 km/h. Et une ou deux fois, pour aller me balader dans le parc de temps en temps avec ma fille qui a 4 ans, de temps en temps, on se sent un peu en insécurité, parce qu'il y en a, enfin, en dehors des motocyclettes, bon, ça, c'est un autre sujet, mais il y a des gens qui semblent relativement raisonnables, mais qui traversent le parc à vive allure, alors qu'on a quand même sur le côté du parc le mail Salvatore Allende qui peut être largement utilisé. Donc, demain, je pense qu'on sera amené à réguler la traversée du parc, en tout cas, inciter les vélos à un peu plus de prudence sur ce secteur-là. Donc, c'est de la cohabitation. Hein. C'est-à-dire le problème, c'est que quand on est automobiliste, on engueule les vélos. Quand on est en vélo, on engueule les piétons. Quand on est piéton, on engueule les cyclistes. Et quand on est cycliste, on engueule les voitures. Bon, arrêtons de perdre les pédales. Hein, essayons d'être plus civiques sur ces sujets-là. Donc, aujourd'hui, notre priorité, c'est ça. C'est de renforcer ces axes. Donc, on va d'abord travailler sur ces continuités-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, je vous propose de passer au vote de cette proposition découverte vélo électrique solidaire et découvrez le vélo cargo. Et en tout cas, je remercie M. Fabry qui a beaucoup travaillé, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a eu un gros travail qui a été fait de lien avec le SMAG pour mettre tout ça en place, de liens également et de contacts et d'échanges avec les vélocistes
pour qu'on s'assure leur participation dans une logique d'économie circulaire. Donc, moi, je suis très heureux qu'on arrive à apporter ce qui était au départ une orientation politique et à la décliner à travers deux délibérations. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, délibération suivante. Serge Pommelet. Oui, bonsoir. Je vais vous parler de remboursement de frais. Yeah, yeah. Je suis hyper motivé par cette délib. Je vous remercie de me l'avoir confiée. Non, c'est important à la fois pour les élus, bien entendu, mais également pour les habitants, pour qu'ils soient sûrs que l'argent est correctement géré et qu'on ne rembourse pas, sur certains fantasmes, les frais des élus. Donc effectivement, dans le cadre de leurs mandats locaux, les membres du conseil municipal peuvent être appelés à effectuer des déplacements pour participer à des réunions dans différentes instances et organismes où ils représentent la ville de Crol. En effet, il y a un rôle de représentation qui est attaché au remboursement des frais. Alors, vous avez les frais de déplacement courants, donc là, ça s'entend sur la commune. Les frais de déplacement des élus liés à l'exercice normal de leur mandat seront couverts par leur indemnité de fonction. Les frais d'exécution d'un mandat spécial ou frais de mission, donc là, c'est bien cadré par les articles du Code général des collectivités territoriales. Donc, le mandat spécial qui exclut les activités courantes de l'élu devra correspondre à une opération déterminée de façon précise. Alors, il y a quelques exemples, il n'y a pas une liste exhaustive, mais vous l'avez vu, il y a quelques exemples. En revanche, ce mandat spécial s'appliquera uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt de la commune par un membre du conseil municipal et avec l'autorisation de celui-ci. En effet, une délibération devra être votée préalablement au départ de l'élu concerné, prévoyant le motif du déplacement, les dates de départ, de retour, etc., etc. Dans ce cadre, bien sûr, il y aura droit au remboursement des frais engagés, frais de séjour, transport, aide à la personne. Alors, sur les frais de séjour, pareil, c'est bien défini par le Code général des collectivités territoriales. Vous avez le remboursement forfaitaire qui s'applique dans une certaine limite des indemnités journalières allouées. Donc, c'est pris sur la base des indemnités journalières aux fonctionnaires de l'État. À titre d'exemple, le mandat de l'indemnité journalière comprend l'indemnité de nuitée. Alors, si vous allez en province, ça sera 70 euros. Si vous allez à Paris, ça sera 150 euros. Ce n'est pas le Ritz encore, hein, quand même. Hein. L'indemnité de repas, elle, est de 18 euros. Ce n'est toujours pas le Ritz. Hein. Les dépenses de transport. Elles vous seront remboursées sur présentation d'un état de frais auquel l'élu joindra les factures acquittées pour attester, pour justifier. Vous avez l'explication. Les frais d'aide à la personne comprendront les frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées handicapées ou à celles qui auront besoin d'une aide personnelle à leur domicile. Leur remboursement ne pourra pas excéder par heure le montant horaire du salaire minimum de croissance. Donc ça, effectivement, c'est pour pallier à l'absence de l'élu dans le cadre de ses missions, s'il y a des frais de garde ou voilà, d'autres frais. Dans le cadre d'une mission, ça sera remboursé, pris en charge avec cette règle. Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune, donc ça peut intéresser effectivement certains élus, dont les élus communautaires qui peuvent être amenés à participer à des commissions, à des déplacements dans ce cadre-là et qui représentent, je le redis, l'intérêt de la commune. Les membres du conseil municipal pourront prétendre sur présentation de pièces justificatives à un état de frais, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leur déplacement pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie S-qualité. Cette prise en charge sera assurée dans les mêmes conditions que les frais liés à l'exécution du mandat spécial qu'on a vu auparavant. Pareil, il y a les remboursements des frais engagés par les élus précisent que la prise en charge de ces frais spécifiques s'effectuera sur présentation d'un état de frais. Alors après, il y a toute une limite par la fraction représentative des frais d'emploi. Je crois de mémoire, c'est 600 et quelques euros. Les règles, bien sûr, sont cadrées et s'appliqueront.
les frais de déplacement des élus à l'occasion des formations. Donc ça, c'est important parce que vous avez un certain droit à formation. Les frais de séjour, déplacement, d'enseignement donneront également un droit à remboursement dans les mêmes conditions que les frais cités ci-dessus, en sachant que les frais d'enseignement à l'organisme de formation, eux, sont pris en charge par la collectivité. Bien entendu, une délibération sera présentée à ce même conseil pour le droit à la formation des élus. Les frais de garde et d'assistance, j'en parlais. Il est proposé que les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction puissent bénéficier d'un remboursement par la commune sur présentation d'un état de frais, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagée en raison de leur participation aux réunions suivantes. Séance plénière du conseil municipal, comme ce soir, réunion des commissions dont ils sont membres, réunion des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune. Il est précisé que ces compensations ne s'appliquent que pour des réunions à caractère municipal et donc que pour tout autre où l'élu siège au titre, par exemple, de la communauté d'agglomération du Grésivaudan, elle ne s'applique pas. Ce remboursement ne pourra excéder par heure le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les autres frais. Alors, le maire et ses adjoints pourront être remboursés des dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence sur leur denier personnel. Le maire pourra recevoir des indemnités pour frais de représentation. Ces indemnités auront pour objet de couvrir les dépenses engagées par le maire et lui seul à l'occasion de ses fonctions et dans l'intérêt de la commune. Et pour finir, ainsi... Qu'en est-il notamment des dépenses qu'il supporte personnellement en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre? Et petite précision, les frais de télécommunication supportés par les conseillers municipaux utilisant leur propre téléphone mobile et leur abonnement Internet personnel n'entreront pas dans la catégorie des frais remboursables. Merci Serge Pommelet pour cette lecture exhaustive, mais intéressante, parce que nous sommes évidemment en réunion publique, hein, puisque les habitants peuvent suivre ces débats. Donc ça permet effectivement, comme l'a dit Serge Pommelet, de couper court à certains fantasmes sur les élus. Je ne dis pas qu'à certains endroits, et certains ont été condamnés, dans la région parisienne, je ne donnerai pas les noms, bien évidemment, mais en tout cas, vous voyez que les choses sont clairement cadrées. Est-ce que vous avez des questions sur ces délibérations? Moi, j'ai une question, parce que vous avez dit qu'une délibération serait faite à ce même conseil concernant le droit à la formation des élus, et sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas vue. J'ai mal compris. Vous êtes... C'est marqué, c'est sur une autre page avant, vous l'avez lu. Hein. C'était par rapport au remboursement de frais sur les frais de... ça ne doit pas être celle-là. Au niveau des frais de déplacement pour les formations, il y a... Alors, c'est encore pas cette page-là, j'ai l'impression. On est en train de regarder. C'est la page... C'est là ? Une délibération sera présentée à ce même conseil pour le droit. Non, mais pas à ce même conseil, pas celui-ci, d'accord. Au conseil municipal. Voilà, s'il y a un besoin de déplacement, oui. On délibérera, bien évidemment, pour attribuer ce droit à formation des élus. Ah. C'est ce même conseil, c'est le conseil municipal. D'accord, l'instance. Ok. L'instance. Merci beaucoup. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres éclairages? Donc, s'il n'y a pas d'autres éclairages, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante. Anitani, pour oui. La plus grosse subvention de l'année en direction du monde associatif, une association que nous affectionnons particulièrement et qui a fait un superbe carnaval, hein, d'ailleurs. Oui. Vraiment une belle animation et je pense qu'on en avait besoin. En tout cas, merci à eux parce qu'ils font vivre le carnaval depuis quelques années. Malheureusement, avec le Covid, on n'avait pas pu en profiter.
Et ça s'est terminé par un beau temps avec M. Carnaval qui était brûlé dans le... Il faut l'arrêter, ça, brûler M. Carnaval, c'est des particules fines. Hein. Oui, mais on m'en a d'ailleurs fait la remarque, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de communes qui ne brûlent plus M. Carnaval. C'est pour ça qu'on avait autant de monde à Crolles, parce qu'il y a plein de gens des autres communes qui sont... Ah, qui viennent là. Parce que nous, on ne brûle, en fait. Et en plus, non, pas tous, non, il y en a qui ne sont pas. Ah, parce qu'on est, un peu moins dogmatique qu'ailleurs. Ouais. Non, mais c'était un bon moment de, partage. Et de lien social, je trouve oui, que c'est important. Et c'est qu'une fois brûler M. Carnaval plutôt que de voir parfois, et j'ai vu sur le territoire du Grésivaudan, notamment des syndicalistes brûler des pneus. Non, mais c'est mieux. Quitte à choisir, je préfère qu'on brûle M. Carnaval que de brûler des pneus pour revendiquer quoi que ce soit. Hein. Ok. Alors, je ne suis pas sûre qu'on soit que la MJC soit la plus grosse subvention, mais c'est vrai que c'est une association dont on aurait du mal à se passer, puisqu'elle rend quand même des services importants à la collectivité pour la garde des enfants, les animations. Et puis, c'est un partenaire très important dans beaucoup de manifestations du pôle jeunesse. J'étais tout à l'heure, juste avant le conseil, à la remise des médailles pour la glisse, la saison de la glisse, la remise des médailles de ski, où effectivement, la MJC est un partenaire des séjours ski, enfin des déplacements ski pendant les vacances scolaires, les vacances d'hiver. Alors, comme tous les ans, en fait, la subvention de la MJC est déjà... Oups, je perds un morceau. J'ai perdu le capuchon. Je casse le matériel, désolée. Donc, comme tous les ans, cette commission a été présentée, cette subvention a été présentée à la commission paritaire de la MJC, où on nous présente également un bilan qualitatif et quantitatif des activités de la MJC. Alors, c'est vrai que 2021, ça a encore été une année compliquée pour eux, bien évidemment, puisque de janvier à juin, ils n'ont pas pu... assurer forcément toutes leurs activités. Contrairement à 2020, où effectivement les adhérents avaient été plutôt solidaires, 2021, il a fallu rembourser pas mal d'adhésions, il a fallu rembourser des prestations qui n'ont pas été engagées. Et donc voilà, les activités ont redémarré. Cela dit, il y a encore énormément de choses qui redémarrent petit à petit. Le carnaval, c'était vraiment bien parce que ce qui manque en fait dans les activités, c'est ce aller vers le public, tout ce lien qui est à retisser et qui prend beaucoup, beaucoup de temps et qui demande beaucoup d'énergie. En ce qui concerne le bilan quantitatif, à fin 2021, le nombre d'adhérents est quasiment le même qu'à fin 2020. L'objectif pour 2022, c'est qu'il réaugmente, mais on n'a pas encore atteint le niveau d'avant le Covid. Dans le bilan quantitatif, quand même, je tiens à signaler ce que nous a exposé la MJC, à savoir que l'accueil de loisirs est plein comme un œuf, comme on est bientôt à Pâques. C'est une capacité de 100 places. Aujourd'hui, il y a des critères de priorisation qui sont mis en place, mais de toute façon, il n'y a pas de possibilité d'accueillir plus d'enfants. En ce qui concerne le bilan financier, donc, je vous avais déjà exposé précédemment qu'effectivement, on avait en 2019 un déficit structurel d'environ 15 000 euros. La barre a été redressée en 2020 et également en 2021. Il n'y a pas de déficit, même si on avait une projection de compte de résultats déficitaire. La prévision d'atterrissage, puisqu'on n'avait pas encore les comptes définitifs au moment où on a eu la commission paritaire le 3 février, était d'un résultat de débiteur d'environ 2 500 euros. Donc, ce n'est pas très significatif, c'est plutôt bien. Le budget 2022 nous a été présenté à l'équilibre. Voilà, et donc pour la subvention 2022, vous savez qu'on l'a fait en deux temps, 70% là maintenant et puis 30% à la fin de la saison. On est toujours décalé, bien sûr, puisque la saison de la MJC, c'est en fait de la rentrée scolaire aux vacances scolaires de l'année suivante. En ce qui concerne
La mise à disposition, vous savez que depuis la semaine de 4 jours, c'est la commune qui met à disposition le mercredi matin des animateurs, 6 personnes, des animateurs du périscolaire et 2 ATSEM pour l'accueil des enfants. Et que donc, le coût de cette mise à disposition a été évalué à environ 24 600 euros. Voilà, qu'on ajoute à la subvention, puisque bien évidemment, la MJC, les salaires ne sont pas du tout les mêmes, et puis ils n'ont pas demandé à ce qu'on encadre les enfants avec ce personnel. En tout cas, c'est quelque chose qui marche très bien. Les enfants apprécient énormément de voir au périscolaire des animateurs qui retrouvent le mercredi matin, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de renouveler le même montant de subvention, à savoir 287 900 euros, plus ce qui a été estimé pour la mise à disposition du personnel de 24 610 euros, sachant bien évidemment que sur les 30% restants, il y aura une clause de revoyure pour identifier le montant précis du personnel qui aura été mis à disposition. Puisque l'année dernière, en fait, forcément, il y a des heures qui n'ont pas été exécuté, donc ça avait diminué en fait le solde de la subvention. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention à MJC? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, délibération suivante. Je continue. Anitani sur les classes transplantées. Voilà. Avec Belledonne en marche. Tout à fait. Alors, donc, vous savez que on participe au budget des écoles pour permettre en fait aux familles d'accéder au voyage. Avant, les projets étaient beaucoup plus conséquents. C'est vrai que le budget qu'on allouait aux classes transplantées en 2013 était quand même de l'ordre de pas loin de 30 000 euros. Pour le BP 2022, on est à 4 400 euros. Effectivement, il n'y a plus de classes transplantées sur des séjours longs ou assez éloignés. En fait, ça, il n'y a plus de demande de ce type. Mais c'est vrai que les enfants vont régulièrement à Saint-Maximin. C'est quelque chose qui est très utilisé, où ils découvrent en fait le patrimoine, la nature, la forêt, et où on travaille avec l'association Belledonne en marche, qui anime les classes. Alors, en ce qui concerne ce budget, j'ai perdu ma feuille, mais je vais la retrouver. Voilà. Dans tous les cas de figure, on laisse un reste à charge de 2 euros par enfant. Et puis, bien évidemment, on apporte une aide aux familles en fonction du quotient familial. La participation, en fait, pour les plus bas QF est de 9,73 euros. Et le reste à charge, en fait, pour les QF au-delà de 1700 est de 8,73 euros. Voilà, la participation, notre participation dans ce cas est de 3 euros. Donc voilà, je vous demande d'approuver les conditions de participation de la commune aux classes transplantées de Saint-Maximin. Est-ce que vous avez des questions sur ces classes transplantées? Pas de questions, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est la subvention définitive 2021 et à compte sur la subvention 2022 pour le comité des œuvres sociales de la ville de Crolles. Bon. Vous avez peut-être déjà noté, il y a une petite erreur sur le calcul. Le montant global est de 150 819 et pas de 159 819. Il y a une petite erreur de frappe. Donc simplement, c'est de vous rappeler que, évidemment, le centre des œuvres de la ville de Crolles fonctionne plutôt bien. C'est basé effectivement sur le pourcentage de la masse salariale et que ça nécessite, en fonction des personnes présentes et notamment, par exemple, des contractuels, des ajustements. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de verser 5 049 euros au titre de la régularisation de la subvention 2021.
de verser 2 003 euros au titre de la régularisation pour les enveloppes des agents nouveaux arrivants et des retraités en 2021 et de voter l'acompte pour 2022 sur la somme de 153 767 euros qui était la somme définitive 2021. Pardon ? Ah, oui. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette subvention. Bon, ça permet, comme dans toute entreprise, de permettre des sorties, des réductions sur des sorties, des voyages, des chèques vacances. Voilà, et les chèques vacances sont remis, on a les chèques vacances qui sont remis au quotient familial. Hein. Donc là aussi, on est sur une logique de solidarité en direction des salaires les plus bas de la commune, catégorie C. Moi, j'ai une petite oui. remarque à faire. Moi, je voulais dire que j'étais très contente qu'on ait pu accepter maintenant au COS qu'il bénéficie aux agents périscolaires, enfin en tout cas à ceux de façon plus large, puisque c'est des contrats effectivement de peu d'heures et cette fois ils vont pouvoir en bénéficier. Je trouve que c'est très important. Tout le monde sait les difficultés qu'on a à la fois à les recruter et puis aussi à ce qu'on reconnaisse leur importance dans le travail de la collectivité. Donc je suis très contente qu'ils puissent en bénéficier. Très bien, merci Annie. C'est vrai que c'est difficile hein, de recruter des agents périscolaires parce qu'on n'est pas dans une zone universitaire. Donc même en zone universitaire, Grenoble a beaucoup de mal pour recruter des agents périscolaires. Et on a de plus en plus de gens qui mangent dans les cantines, d'enfants qui mangent dans les cantines. Donc c'est-à-dire que finalement la qualité est plutôt bonne, mais il faut de l'encadrement. Et c'est pas facile de trouver ces encadrements. Et vous verrez tout à l'heure, on a une délibération où on étoffe notre pôle de remplacement justement pour accompagner le service périscolaire. Et je vous propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc, délibération suivante, tableau des postes, création, suppression de postes. Donc, création, c'est plutôt un poste de 6 mois pour des saisonniers, notamment sur la maintenance urbaine. On a 3 saisonniers, sauf erreur de ma part, 2 qui sont sur les espaces verts, 1 sur la maintenance urbaine et qui fait aussi maintenance urbaine et espace vert. Il fait un peu les deux, parce que bien évidemment, on ne vous a pas échappé, pendant la période de pousse, il faut tondre un peu plus, il faut nettoyer, donc il y a des végétaux à traiter, donc ça prend plus de temps. Donc on a un renfort sous forme de saisonnier. Au niveau de la direction des ressources et moyens, donc RH, c'est simplement la transformation d'un poste, parce qu'on a recruté... Suite à un départ, donc il faut qu'on ajuste le poste. Ensuite, service à la population, donc là, c'est la personne, on parlait du COS tout à l'heure, donc c'est une personne qui sera sur 2 services et on a besoin d'un petit peu plus de temps. C'est-à-dire, elle était à 29 heures hebdomadaires, il faut passer à 30h30 pour couvrir l'ensemble de ces postes. On a également service restauration et entretien, donc on réajuste le cadre d'emploi et le grade d'un agent sur ce service restauration et entretien. Et sur le périscolaire, je viens de l'évoquer, c'est-à-dire on va étoffer le pôle de remplacement et vous voyez que c'est sur des temps extrêmement brefs. Hein, c'est une 50 minutes par semaine pour accompagner les enfants qui sont en temps périscolaire sur des activités jeux. Très bien. Je vous propose, est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Avant que vous quittiez cette salle, simplement... un petit point sur la solidarité. Marc, si tu peux nous dire et nous donner quelques éléments sur l'accueil de familles ukrainiennes sur la ville, et ça sera complété par Annie Tani. Oui. Tout à fait, et bien volontiers. Donc, je vais vous donner un petit point sur les 24 personnes que nous accueillons depuis le 23 mars. Les services se sont mobilisés dès le 21 mars, effectivement, pour organiser l'accueil
de ces personnes. Donc, j'aurais un grand merci à tous les services de la commune qui ont aidé à leur réactivité, parce qu'effectivement, ils ont eu très peu de temps pour mettre en forme et anticiper leur arrivée. Donc, les services se sont mis en route dès le 21 pour un accueil des familles le 23 mars. Et la possibilité pour ces familles d'être dans des logements communaux, dans trois logements communaux, un T4, un T2 et un T1, ainsi que dans trois familles chez des particuliers sur la commune. Donc ces familles, on a eu une réunion avec les associations dès le 25, donc deux jours après leur arrivée, afin de coordonner effectivement les actions des différentes associations Grésy, Secours Populaire, Croix-Rouge, et j'en oublie sûrement. L'accueil de ces familles a été fait par Monsieur le maire aussi le 25, avec une réception en mairie. Vous avez vu tout ça, la petite vidéo sur Facebook. C'était très prenant, je trouve. Il y a eu, après, dès la suite, afin de voir comment ces familles allaient être accueillies, les services ont reçu le lundi 28 les familles, afin de savoir quels étaient leurs besoins, afin de pouvoir trouver les moyens de les satisfaire. Excusez-moi, moi aussi, c'est comme Annie, j'ai le bouchon qui est parti. Je vais essayer de continuer. Voilà. Donc ça, c'était le lundi 28. Le 30, donc, il y a une mobilisation. On a réuni les différentes associations, les bénévoles, afin de voir effectivement qui prenait quoi à sa charge. Accueil migrant Grésy-Vaudan donc va être aux côtés de la commune tout au long donc de cette période qui, j'espère, sera la moins longue possible pour les personnes, parce qu'effectivement ça devient assez compliqué pour elles. Et donc nous avons mis les bénévoles ont été répartis afin d'assurer une logistique pour les personnes hébergées. Donc, il y a 6 hébergements et il y a 2 bénévoles par hébergement qui sont chargés donc, de voir avec les personnes. Ben, là, on est en train de voir pour les assurances des locaux, pour le déplacement, pour des rendez-vous médicaux, pour tout un tas de petites choses. Donc, c'est une logistique qui se met en place petit à petit. Donc, ça va se mettre en place. Ça se met en place, les services sont sollicités, mais également les bénévoles. Donc, s'il y a éventuellement d'autres bénévoles, là, je fais un appel, là, j'en profite. S'il y a effectivement d'autres bénévoles qui veulent s'impliquer dans l'accueil de ces familles, n'hésitez pas, manifestez-vous auprès de Bienvenue. Envoyez-nous un petit courriel au niveau du pôle social et nous répondrons volontiers à votre demande. Quoi dire d'autre ? Quoi dites d'autre ? Donc, il va y avoir des collectes qui vont être aussi effectuées. Le MC a fait un concert dernièrement. Donc, voilà. Donc, on va voir où le MC reverse le bénéfice. Et prochainement, Musica, oui, je viens d'apprendre. Le 13 mai, Musica va organiser aussi un concert au profit de l'Ukraine. Le Secours Populaire Français va organiser une collecte le samedi 9 au niveau de Lidl et Casino. Donc n'hésitez pas à aller déposer quelque chose. Il faut savoir que pour l'instant, les hébergés sont accompagnés. Donc mardi, ont été accompagnés par les services au Secours Populaire. Maintenant, donc, les bénévoles vont prendre la relève des services afin d'assurer effectivement de pouvoir remplir leur frigo. Voilà. Avez-vous des questions sur ce plan ? Puis après, Annie prendra la relève sur effectivement l'accueil des 2 enfants dans les écoles. Mais sur ce plan purement pratique, avez-vous des questions ? Bien. Bon, juste, Annie, juste, à toi. Est-ce que peut-être il y aurait une diffusion, un appel aux bénévoles sur les panneaux lumineux de la ville éventuellement ? Pourquoi pas avoir effectivement, pour l'instant nous avons quelques bénévoles, mais dans la durée, il faut qu'effectivement ces bénévoles tiennent. Donc que ce soit les associations et les bénévoles, oui, on sera toujours en recherche de bénévoles. Donc après, moi j'ai fait un petit appel là sur, et donc par la retransmission, après avoir avec les services effectivement comment on peut faire un. Voilà, après c'est une gestion des bénévoles. Et là, voilà, ça va être encore autre chose à demander aux services. Voilà. Donc il faut être prudent.
à ce niveau-là. Monsieur le maire. Annie. Ah bon. Sur l'accueil dans nos écoles. Si. Alors, en fait, effectivement, ces familles sont arrivées avec beaucoup d'enfants, mais seulement deux qui sont d'âge à être scolarisés. Donc, on a deux enfants qui sont scolarisés à Cascade-Soleil, qui ont commencé jeudi. Un petit garçon, André, qui est en CP, et une petite fille, Diana, qui est en CE1. Ils ont été accueillis avec énormément d'enthousiasme et de bienveillance, que ce soit des enfants, des enseignants, de toutes les équipes éducatives. Le petit garçon est un petit garçon très joyeux, qui manifeste vraiment énormément d'intérêt. Enfin, j'ai discuté avec les enseignantes et la directrice jeudi soir. Là, ils étaient absolument ravis de les accueillir. Ils ne voulaient pas partir. C'est formidable. La petite est un petit peu plus réservée, c'est un peu plus compliqué. Vraiment, il y a un enthousiasme autour de ces enfants et le petit est limite exubérant. Quoi. C'est assez drôle. Les enseignantes étaient vraiment ravies des contacts qu'elles avaient avec. Il s'intéresse à tout. On voit une soif de communiquer et de partager. Tous les enfants l'accueillent. Enfin, c'est assez drôle. Et il a vu, par exemple, dans sa classe, il y a une petite qui ne parle pas, qui a un problème de mutisme sélectif, donc qui parle par geste depuis qu'elle est scolarisée. Donc, en fait, quand il n'arrive pas à se faire comprendre, il fait comme elle. Donc, il communique avec elle. C'est formidable. Les enseignantes étaient vraiment très, à la fois très contentes et très bouleversées de ça. Donc, ils veulent absolument aller à la cantine parce qu'ils veulent rester avec les autres. Donc, dès lundi, on les accueille à la restauration scolaire et au périscolaire. Non, mais c'est vraiment sympa, ça se passe bien. Mais ces enfants, dans 3 mois, ils parlent français, hein, c'est évident. Hein. Oui, moi je parle de ceux qu'on a scolarisés ici, oui, tout à fait. Il y a une petite qui était déjà scolarisée aux adresses, je crois. Hein. Non. Oui, tout à fait. Très bien, merci. Donc ça, c'était pour la page solidarité. Pour la page concertation, Eric, on a, sauf erreur de ma part, mis en place la table virtuelle. Oui, donc il y a un atelier mobilité pour une concertation sur le PLU qui est le 13 avril, de mémoire. Et au préalable, donc, on a ouvert sur la plateforme de concertation une table virtuelle qui vous permet de proposer des idées ou d'émettre aussi des questionnements, voire des vigilances, qui va nous servir comme une quatrième table virtuelle pour cet atelier de mobilité, afin de, si vous n'êtes pas disponible ce jour-là, de pouvoir donner votre avis ou vos idées. Donc, je vous invite à aller participer à jeparticipe.creul.fr. Très bien. Donc, après la page solidarité et concertation, la page écologie, il ne vous aura pas échappé, pour ceux qui se promènent dans la ville à pied, que nos services ont implanté, pour trouver une continuité en direction de l'écoquartier, ont implanté des arbres fruitiers sur l'espace qui part de la rue de Belledonne, du bord de la rue de Belledonne. Si vous voyez les petits immeubles qui sont là. Oui, Charles de Gaulle, et entre les immeubles qui sont, moi j'appelle Cogésime, mais je sais plus le nom de la rue, donc ces immeubles qui sont là, et puis la nouvelle cantine, pas la nouvelle cantine, mais le nouveau bâtiment pour la restauration scolaire. Donc vous verrez, ils sont tout fleuris de roses, donc ce sont des arbres fruitiers qui sont plantés sur ce secteur-là pour tracer la continuité d'une coulée verte. Il y a des roses et des blancs. Avec la neige, ils sont blancs, oui. Non, mais ce que j'ai vu, je suis allé voir sur place, ils sont roses. Donc voilà, on continue à avancer aussi sur ces sujets-là, le verdissement de la ville et la plantation d'arbres, bien entendu. Et en plus, là, d'arbres fruitiers, parce que ça s'y prête. On est dans un secteur où on n'a pas de stationnement, parce que planter des fruitiers sur du stationnement, ça peut vite avoir d'autres impacts, en particulier sur les voitures. Très bien. Quelques dates. Oui, non, mais vous inquiétez pas, j'ai une petite liste. Hein, je sais que vous êtes super attentifs, mais tous ces sujets-là, on les a bien en main. Hein. Donc,
Prochain conseil municipal d'abord, donc le vendredi 13 mai et ensuite le vendredi 24 juin. Prochaine commission, donc accessibilité, c'est piloté par Annie Fragola, c'est le lundi 11 avril à 18h, salle du conseil. Finance, économie, commerce, la date n'est pas encore calée. Espace de vie, jeudi 5 mai, 18h30, salon des élus. Sport, la date n'est pas encore calée. CCAS, c'est bien évidemment le premier mercredi de chaque mois. Demain, deux activités. Il va falloir choisir. Hein. Donc, soit une sortie d'observation des oiseaux avec la Ligue de protection des oiseaux, donc sur le parc Jean-Claude Paturel. Je crois qu'ils avaient fait une présentation très, très intéressante en commission cadre de vie, sauf erreur de ma part, commission municipale cadre de vie. Donc, de 9h30 à 11h30, j'espère qu'il neigera un petit peu moins. Ensuite, concertation sur la nouvelle déchetterie. Je vous rappelle que la ville de Crolles avait mis 3,7 millions d'euros depuis quelques années sur la table en direction de la communauté de communes. Et donc, ça y est, ça va se mettre en place. Je pense qu'il y aura beaucoup de discussions autour, notamment de la ressourcerie, parce que je le redis ici, le déchet peut être valorisé. Et ça, je crois qu'on en a absolument besoin. Hein. Grésy le fait déjà, hein, pour ne pas les citer. D'ailleurs, il nous accompagne sur l'accompagnement des Ukrainiens qui sont chez nous. Donc, concertation sur la nouvelle déchetterie à 10h, donc à la déchetterie de Crolles. Alors, je ne sais pas où ils vont nous mettre, parce que vous êtes sûr que c'est la déchetterie de Crolles ? Bon, ça va réduire les ardeurs. Hein. Bon. Ensuite, le samedi 2 et le dimanche 3 avril, le salon du livre Grésy Imaginaire, donc à la Marelle, 4e édition sur le thème du médiéval fantastique. Ça, c'est un bel événement. Tu veux en dire un mot, Didier ? Non, c'est un événement simplement voilà, qui continue et qui marche très très bien avec des romanciers en fait, locaux. On en a quelques-uns sur la commune, justement, qui ont fait des dédicaces à la médiathèque la semaine dernière et là, qui seront à nouveau présents donc samedi et dimanche. Merci. Sophie, dimanche, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait dimanche ? Est-ce qu'il y a un truc prévu dimanche ? Voilà, marché des créateurs, donc un événement qui marche plutôt pas mal. Alors, je le dis simplement, je vous préviens, on voit des voitures qui sont stationnées sur la placette, là, en face. J'ai demandé clairement à la police municipale de verbaliser et de ne pas être complaisant. Hein, c'est-à-dire d'occuper les espaces piétons avec des véhicules pour essayer de faire du drive, ce n'est pas acceptable. Donc, vous êtes prévenus. Les commerces, si jamais ce sont des commerçants... Non, mais si ce sont des commerçants, on va leur demander d'être stationnés ailleurs. Si ce sont des particuliers qui viennent faire leurs courses, c'est clair, ils seront verbalisés. Donc, vous êtes prévenus, dimanche, vous avez intérêt à vous garer correctement. Bien entendu, je rappelle que le stationnement est toléré sur la route départementale, parce que certains Crolois me disent « oui, c'est inadmissible ce stationnement sur la route départementale ». Je crois que ça contribue quand même au fait que les gens, comme on a beaucoup d'affluence, les gens roulent moins vite. Donc, je préfère avoir des voitures stationnées et avec une tolérance sur le secteur, ça permet aux gens de rouler moins vite. Bon, et c'est plutôt pas mal et ça permet de profiter de l'espace, en tout cas entre le marché dominical et puis le marché des créateurs, bien entendu. Le 10 avril, vous êtes tous réquisitionnés pour un événement majeur, les élections présidentielles, donc de 8h à 19h. Le mardi 12 au jeudi 14 avril, bourse aux vêtements. Donc, de 8h à 12h, rue du 8 mai. Mercredi 13, on l'a déjà dit, donc là, ce ne sont pas les tables virtuelles, ce sont les tables sur place. Donc, c'est mobilité et flux liés à l'économie. Donc, c'est un atelier qui se tiendra à 19h dans la salle du conseil municipal. Donc, venez participer, parce que la dernière fois, on n'avait pas beaucoup de monde quand même. Hein. Je veux dire, hors les élus, s'il y avait 15 personnes, c'était bout du monde. Hein. Donc, la participation, c'est bien, mais il faut que les gens participent. Il ne suffit pas de les appeler à participer. Le vendredi 15, là, il y aura de la participation. C'est la soirée Mix and Style. Mais malheureusement, ils ne viennent pas forcément pour discuter de la mobilité. C'est une mobilité un peu différente, hein, c'est clair. Ça bouge quand même pas mal dans les soirées Mix and Style.
Le dimanche 24 avril, rebelote, élection présidentielle de 8h à 19h. Donc, j'incite l'ensemble des électeurs à se déplacer. Je le redis, c'est important. Vous avez une palette de candidats qui est quand même importante. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de choix. Donc, il y a du choix. Donc, à un moment, il faut faire ce geste d'aller Non, le 24, il y en aura moins, mais sur le 10, il y en aura un peu plus. Et j'ai vu que les Gilets jaunes appelaient d'ailleurs à aller voter. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc moi, j'appelle aussi tout le monde à aller voter. Et puis, dernière chose, vous avez reçu un mail de ma part qui vous informait que nous recevrions donc mercredi 6 avril l'ancien député maire de la ville de Crolles, François Brotte, donc qui sera présent et accueilli dans cette salle du conseil municipal à 14h en présence des membres du conseil municipal qui souhaitent être présents et qui peuvent être présents, parce que bon, certains travaillent, ce n'est pas toujours simple. En tout cas, il y aura un temps d'accueil en présence des élus qui se seront rendus disponibles et des agents de la collectivité. Je ne dis pas comment je vais l'occuper entre 15h et 17h. Donc de 17h à 17h30, il dédicacera son livre dans notre librairie favorite, c'est-à-dire la librairie du Grésivaudan. Et à 19h, l'ensemble de la population qui souhaite le rencontrer sera accueilli à l'espace Paul Jargeau, l'espace bar. Et nous aurons l'occasion de lui remettre la médaille de la ville en présence à la fois du président actuel de la communauté de communes et de l'ancien président de la communauté de communes, Francis Gimbert, qui lui avait succédé. Et ça me paraissait important que ces deux présidents soient présents, puisque François Brotte a largement œuvré pour la COSI, mais ensuite pour mettre en place cette communauté de communes. Et je pense que c'est normal aujourd'hui de le remercier et de l'honorer, à la fois sur sa fonction de maire et sur sa fonction de président de la communauté de communes. Oui. Très bien. Merci à vous toutes et à tous. Vous avez vu, on a un week-end bien occupé. Comme toujours à Crolles. Ça bouge à Crolles. Toujours. Et puis même demain soir, on a aussi un spectacle à l'espace Paul Jargeau à 18h30 pour les enfants. C'est le grand voyage d'Annabelle. Et samedi d'après, le 8 avril, on a un magnifique spectacle, le Siffleur. Vraiment un super spectacle, ah oui, je vous le conseille tous. Il paraît que c'est pas mal. Il siffle de la musique classique, je crois. Hein, c'est bien ça. C'est ça. Avec un quatuor à cordes. Et apparemment, c'est exceptionnel. Voilà, donc c'est pour ouvrir les yeux des enfants et pour nous retrouver nos yeux d'enfants. Et justement, pour faire le parallèle, on va essayer d'inviter justement les Ukrainiens justement pour ces spectacles. Merci à vous toutes, merci à vous tous, merci aux Crolois et aux Crolloises qui étaient derrière leur écran pour suivre ce conseil municipal. Bonne soirée et très bon week-end.